La première étape, c'est constituer le dossier pour enregistrer le site du MIR. Alors, on commence par remplir une fiche de déclaration de site. Donc, on a trois fiches et on peut les trouver au niveau du poste de contrôle forestier et chasse. La fiche est remplie par l'opérateur d'un côté et remplie par le chef de poste qui le signe. Il y a la déclaration sur l'honneur. Bon, ça veut dire, moi, peut-être, le maire de la commune de Ndi déclare, c'est-à-dire avoir pris connaissance de la législation en ce qui concerne le marché intérieur. Il s'engage à vendre les produits légaux dans ce marché. Donc, ici, l'honneur, c'est un engagement. Bon, si jamais il y a un contrôle qui vient peut-être déjà de la délégation départementale ou de la délégation régionale, on va frapper. On va frapper la commune. On ne va pas frapper les gens qui vendent dans le marché. Parce que le responsable de la marché, et du marché autant pour moi, c'est l'exécutif communal. Il faudrait également justifier le titre de propriété. Ici, nous avons un cas particulier, Kendi qui a une forêt communale. Mais ailleurs, il y a des communes qui n'en ont pas. On fait comment? Peut-être qu'il y a des forêts communautaires. Il faudrait qu'on justifie que ces forêts communautaires soient en activité. La justification, c'est quoi? C'est de produire le titre, c'est-à-dire le CAE. S'il y a le vent de coupe dans la localité, il faut le certificat de vent de coupe. Donc, ça, c'est le justificatif. Il faut maintenant donc une attestation de non-objection du maire de la commune compétente. Le cas échéant, le cas échéant parce que ici, on dit que le site appartient à la commune. On n'a plus donc plus besoin de cette attestation. Mais si c'était une tierce personne qui voulait créer son marché, il fallait que la commune atteste. Parce que c'est le marché et tout ce qui est concerne le marché est du ressort de la commune. Que le maire nous dise que je ne m'oppose pas à ce qu'on crée le marché à tel endroit. Et dans ce marché, c'est dédié à la vente du bois. Voilà un peu ce que la non-objection du maire peut un peu préciser. Donc, une fois donc qu'on a ça, la liste probable des sources d'approvisionnement, on va les garder, tel que j'ai un peu expliqué en haut, dans la localité, on va avoir plusieurs sources, on va avoir les huiles phares.